Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AS Monaco et le vice-président, M. Vadim Vassiliev, sont heureux de vous recevoir aujourd'hui à la présentation officielle du nouvel entraîneur, M. Leonardo Jardim. Avant que ne débute la présentation, M. Jardim vous dira quelques mots en français. Et ensuite, nous vous tendrons le micro, vous nous ferez signe et le micro passera afin que vous posiez vos questions. D'autre part, nous vous invitons à laisser le temps à la traduction de se faire si éventuellement M. Jardim s'exprime en portugais. Merci et bonne présentation. Oui. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais dire que je suis très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de parler portugais. Mais je pense que pour le futur, c'est meilleur. Alors, faites signe qu'on vous envoie un micro pour les questions. Levez-nous la main. Bonjour. Est-ce que M. Jardim peut nous raconter comment ça s'est passé, enfin comment les choses se sont passées, comment les contacts entre Monaco et lui sont arrivés? Est-ce qu'il a été surpris que Monaco vienne le chercher au Sporting à un moment où peut-être il pensait prolonger au Sporting Portugal? Enfin voilà, comment ça s'est passé pour qu'il en soit arrivé à devenir entraîneur de Monaco. En primeiro lugar, os contactos do Mónaco comigo foram realizados de forma a eu vir para cá trabalhar e para mim não foi uma surpresa porque quando trabalho acredito sempre que vou ter oportunidades melhores e foi isso que aconteceu. Claro que se não existisse possibilidade de sair do Sporting. O Sporting tinha-me feito o convite para renovar, porque nós tínhamos feito um bom trabalho. Bom, tout d'abord, les contacts que l'AS Monaco a établi avec moi ont été réalisés, bien entendu, pour venir travailler ici. Et cela n'a pas été véritablement une surprise pour moi. Je n'ai pas vraiment été surpris. Car je vois toujours ce travail comme une recherche de meilleures opportunités. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour cette situation. Le Sporting avait fait une proposition pour que je reste, étant donné qu'on, bien entendu, on avait réalisé une bonne saison. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le club vous a demandé de remplir comme objectif pour cette saison? Os objetivos do Mónaco podem se dividir em três. O primeiro é os objetivos desportivos. Temos que ter a ambição de jogar sempre para ganhar, independentemente da prova que estamos inseridos. Em segundo lugar, os objetivos do espetáculo, da qualidade do futebol. Queremos um futebol apoiado, um futebol de qualidade, em que consigamos trazer adeptos para o estádio. E em terceiro lugar, a valorização de jovens jogadores que existe dentro do clube,
alguns e nós os queremos valorizar. On pourrait répartir les objectifs en trois. Le premier, c'est un objectif sportif, c'est-à-dire nous avons comme ambition de jouer sur tous les tableaux et l'objectif est de gagner tous les matchs. Ensuite, le deuxième objectif, c'est un objectif de spectacle, c'est-à-dire on veut jouer un football de qualité. On veut ramener des supporters vers le club et on veut, troisièmement, comme troisième objectif, on veut valoriser les jeunes joueurs du club qui existent, qui jouent avec nous et on veut promouvoir cela aussi. Comment s'est passé le premier contact avec les joueurs, Leonardo, et qu'est-ce que vous leur avez dit quand vous êtes arrivé ? O primeiro contacto foi positivo, propus aos jogadores uma nova forma de trabalhar, uma ideia nova em termos de metodologia. Também falamos sobre uma ideia nova de jogo em que queremos implementar e os jogadores têm tido uma atitude extraordinária de forma a tentar atingir aquilo que é pedido. Bon, le premier contact a été extrêmement positif. J'ai proposé une nouvelle manière de travailler avec une nouvelle idée au niveau de la méthodologie, une nouvelle idée au niveau du jeu et les joueurs ont extrêmement bien réagi à ces propositions. Et on va travailler pour cela. Vous êtes présenté comme un entraîneur qui a justement des nouvelles méthodologies. Est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu les grandes lignes de ces méthodologies ? A minha linha de trabalho prende-se que treinar da mesma forma do que jogamos. É necessário fazer treino de qualidade nas várias áreas, na física, na tática, na estratégia, para depois conseguirmos no jogo colocar em prática aquilo que trabalhamos. Por isso é trabalho muito direcionado para o jogo, trabalho direcionado para aquilo que realmente vamos fazer no dia dos jogos. La ligne de travail que j'essaie de suivre, c'est de s'entraîner exactement comme on va jouer. C'est un entraînement au niveau de la qualité de tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit tactique, que ce soit autre. Et tous les entraînements sont tournés vers le jeu. Et c'est sur cela que l'on va travailler énormément. Présente comme l'anti-Mourinho, quelqu'un de très discret, qui jamais fait de grands commentaires autour de ce qui peut se passer sur un match. Est-ce que vous avez cette impression là aussi ? Considérons vous comme anti-Mourinho, donc c'est très discret, non fait de grands commentaires, en tout cas du jeu, que ce soit explosif, ça se cache ici même. Eu tenho a minha própria personalidade, acho que o treinador numa equipa de futebol tem que ser o elo de ligação de toda a estrutura, tem que ser o elo de ligação dos jogadores em prol de objetivo e pessoalmente não tenho que alterar aquilo que sou, porque acho que para mim, o importante é que eu seja bom treinador e que o meu trabalho seja realizado principalmente para os meus jogadores e dentro da minha estrutura. J'ai ma propre personnalité et je crois que l'entraîneur doit être le lien de
dans toute la structure, il doit être également le lien entre tous les joueurs, et c'est ça mon objectif. Je ne dois pas changer ce que je suis, et je dois travailler avec mes joueurs, pour mes joueurs, et être le lien entre eux pour atteindre mes objectifs. Concernant l'effectif de l'AS Monaco aujourd'hui, est-ce que vous avez des volontés particulières de renforcer un secteur ou un autre? Est-ce que vous savez déjà où vous allez aller dans ce, à ce niveau-là? Nós já tivemos algumas reuniões com a direção do clube, conversar sobre as necessidades da equipa e neste momento o Monsieur Vadim e o restante da direção estão a trabalhar de forma a nós construirmos uma equipa competitiva dentro dos objetivos pretendidos. Nous avons eu des réunions avec tous les membres de la direction du club. Nous avons étudié ses besoins. Et M. Vadim et le reste de la direction travaillent pour avoir une équipe compétitive pour répondre à nos objectifs. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez expliqué une nouvelle idée de jeu à vos joueurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Para mim, um jogo de qualidade é um jogo em que a equipa, quando não tem a bola, é uma equipa pressionante, uma equipa próxima, com as linhas próximas e pressionante, com uma pressão sobre o adversário. Ao contrário, quando tem a bola, ter capacidade de circular e construir os ataques de uma forma qualitativa, de forma a darmos àquilo que são os amantes do futebol um futebol, na minha opinião, de mais qualidade. Um jogo de qualidade, por mim, há o côté quand l'équipe, tout d'abord, n'a pas la possession du ballon. Elle doit mettre la pression sur l'équipe adversaire. Et quand l'équipe a le ballon, cette fois-ci, elle doit construire vers une attaque de qualité pour créer un jeu qui soit plaisant et qui soit bon pour répondre aux objectifs que l'on souhaite. Utilisant também aquilo que são o jogo dos corredores, que normalmente é sempre uma característica bem vincada nas minhas equipas. Également, une caractéristique que mes équipes possèdent, qui va être présente aussi, c'est le jeu au niveau des couloirs, qui va être très travaillé et très présent. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Ligue 1? Est-ce que vous avez étudié un petit peu la Ligue 1, la saison de Monaco, la saison passée? Comment est-ce que vous abordez ce nouveau championnat pour vous? O Monaco, a época passada, em termos desportivos, teve num plano bom, em termos de resultados desportivos. Em relação à Liga, vi vários jogos de todas as equipas francesas. Sinto que a Liga Francesa é uma liga em que o jogo é muito competitivo, um jogo muito físico, que em algumas vezes perde naquilo que é a circulação de bola e a construção de um ataque com qualidade. E é um pouco neste último aspecto
que eu quero que a equipa do Mónaco melhore na construção do jogo e na capacidade de posse. Bon, Monaco, la saison passée, a eu sportivement un très bon niveau et je pense qu'elle a obtenu des bons résultats. J'ai bien entendu assisté à plusieurs matchs de la Ligue 1, de plusieurs équipes. Et ce que je peux dire, c'est que le jeu de la Ligue 1 est où les matchs de la Ligue 1 sont des matchs très compétitifs, où le côté physique est très présent. Et à mon avis, c'est là peut-être le défaut, c'est qu'il y a un manque de possession de ballon et un manque au niveau des attaques de qualité. Donc c'est là où je vais travailler, sur au niveau de la possession du ballon et au niveau des attaques de qualité. Nous souhaitons vous rappeler aujourd'hui, mesdames et messieurs, que nous avons la présence de notre vice-président, M. Vadim Vassiliev. C'est une opportunité pour vous de poser des questions pour lesquelles vous aimeriez des réponses. Monsieur Vassiliev, bonjour. Est-ce que justement, enfin, beaucoup de joueurs de Monaco sont convoités, notamment Falcao. Est-ce que vous avez donné des garanties à M. Jardim que la saison prochaine, il pourra compter sur ce joueur-là ? On ne donne jamais des garanties. On donne juste, on essaie d'avoir une équipe de qualité qui puisse atteindre des objectifs. Et concernant le recrutement, justement, comment vous travaillez ? Qui est en charge du recrutement à Monaco ? C'est toujours la direction qui est en charge de recrutement, mais on travaille très prochainement avec le coach. Et maintenant, il a déjà regardé les matchs, mais surtout sur vidéo. Mais maintenant, il faut laisser un peu du temps pour qu'il puisse regarder les joueurs à la reprise. Et après, on fait un point commun, mais c'est toujours la direction qui est responsable pour le recrutement. Monsieur Vassilier, s'il vous plaît. Actuellement, il y a le talent de James Rodriguez qui explose à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un joueur que vous voulez vraiment conserver, ou est-ce que s'il y avait une offre énorme, vous seriez prêt à le vendre ? Donc, tout le monde était surpris qu'on a payé une somme très importante il y a un an. Maintenant, tout le monde parle de James Rodriguez. Donc, ça veut dire que nous avions raison quand nous avons l'acheté et fait venir à Monaco. Nous croyons beaucoup à ce joueur. Il est très important pour notre effectif. Il a encore 4 ans de contrat et on va faire beaucoup de belles choses ensemble. Bonjour. Est-ce que James Rodriguez et Radamel Falcao sont intransférables pour vous ? Personne n'est intransférable. Je ne connais pas l'exemple dans le monde de foot qu'il y a des personnes transférables, mais pour l'instant, il n'y a aucune discussion. C'est les joueurs qu'on compte beaucoup sur eux. Et j'espère qu'ils vont faire une très belle saison. On a entendu parler encore ces derniers jours et dernières heures de la présence de Victor Valdés à Monaco. Est-ce que c'est un gardien sur lequel vous souhaiteriez recruter ou pas, finalement ? Je confirme qu'on a eu des contacts, même négociations avec Victor Valdés et son entourage. Comme vous le savez, Victor est blessé, donc il ne peut pas nous joindre. Je fais un autre point. On a discuté avec Leonardo et on croit que Daniel Subasic a toutes les qualités pour être le gardien de l'AS Monaco, surtout qu'il a fait une très belle saison. Monsieur Vassiliev, pour être totalement clair, y a-t-il des négociations aujourd'hui avec le Real Madrid au sujet de Radamel Falcao ? Non, il n'y a aucune négociation avec aucun club. Vous avez fait, juste une petite question, vous avez prolongé Eric Abidal pour un an.
Vous pouvez le confirmer aujourd'hui ? Oui, nous avons aujourd'hui prolongé Eric Abidal et Ricardo Carvalho pour un an. Oui, il faut faire le point avec l'entraîneur. Donc, c'est pour ça qu'on attend un peu, parce que maintenant, il a la chance de faire la reprise et connaître mieux le joueur. Donc, on laisse quelque temps, on fait le point ensemble. Sur Victor Valdés, vous avez dit on a eu des contacts et des négociations. Aujourd'hui, il est blessé, c'est ça ? Donc, il ne viendra pas, c'est ça ? Oui, donc il ne viendra pas. C'est ça. Avons-nous des questions pour M. Leonardo Jardim aussi ? Sinon. Oui, M. Jardim, quel type de joueur vous aimeriez recruter ? Qu'est-ce qui manque comme profil de joueur pour développer votre philosophie de jeu aujourd'hui à Monaco ? Eu gosto de jogadores com qualidade técnica, porque para jogarmos um futebol de qualidade, com posse, é importante termos jogadores com qualidade técnica. Com certeza, também jogadores com boa capacidade física, porque o Mónaco este ano vai jogar, além das competições nacionais, vai jogar a Liga dos Campeões e a intensidade será importante para nós mantermos qualidade em relação aos diversos jogos. Bom, j'aime beaucoup les joueurs avec des bonnes qualités techniques pour jouer un jeu de qualité, comme je l'avais dit, avec une bonne possession de ballon. Donc nous avons besoin de cela. Et il faut également des joueurs avec une très bonne condition physique, car outre la Ligue 1 que l'on va jouer, il y a également la Ligue des Champions. Donc il y a énormément de matchs et il va falloir répondre à tous ces défis. Une question pour M. Jardim, par rapport à la Coupe du Monde et l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que c'est elle est favorite du tournoi ? Quelles sont ses limites, ses forces ? Comment vous la jugez, cette équipe de France ? Hoje, vejo a França mais favorita do que no início da Copa. A França tem feito um bom campeonato do mundo e acho que neste momento encontra-se entre as principais favoritas, conjuntamente com o Brasil, a Alemanha, a Argentina, para poder ganhar o Campeonato do Mundo. Donc, je peux dire aujourd'hui que la France est plus favorite qu'au début de la Coupe du Monde. Je dirais qu'aujourd'hui, la France est un des principaux favoris, ainsi que le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, et je suis certain qu'ils vont faire une excellente Coupe du Monde. Monsieur Jardim, vous n'êtes pas arrivé seul. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre staff et le rôle vraiment la mission de chacun d'eux ? Nós estamos a trabalhar com uma equipa técnica de 6 pessoas. Comigo de Portugal veio 13 adjuntos e mantivemos dois da estrutura do Mónaco, que é o recuperador e o treinador de guarda-redes. Nous travaillons avec une équipe technique de 6 personnes et j'ai ramené avec moi 3 adjoints portugais. Et nous avons maintenu 2 du staff de l'AS Monaco, dont le récupérateur et l'entraîneur des gardiens de but. S'il vous plaît, pour Monsieur Vassiliev, s'il vous plaît, est-ce que l'objectif de l'AS Monaco cette saison en Ligue des Champions est de franchir la phase de poule, ou bien vous vous dites c'est la première fois qu'on va participer et on apprend ?
premièrement, c'est de jouer bien, fait plaisir à nos supporters. Si on sort de la poule, nous sommes très contents, mais il faut attendre le tirage au sort, car nous sommes au chapitre 4, et évidemment, ça peut être très difficile. Mais avant tout, donner plaisir à nos supporters et jouer vraiment avec un jeu très attractif. Concernant Falcao, l'équipe nationale colombienne est toujours en Coupe du Monde. Est-ce qu'il a demandé à pouvoir assister au match peut-être de l'équipe nationale ou non ? Non, il a commencé la reprise. Il ne repartira plus au Brésil ? Non. C'est le temps de préparer la saison. Monsieur Jardim. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de jouer un petit peu comme au Sporting, dans le même système, par exemple ? Je crois que c'était le 4-3-3. Vous avez l'intention de jouer dans ce système ? C'est le système que vous affectionnez particulièrement. Et est-ce que vous avez déjà choisi votre capitaine pour la saison prochaine ? En relation au système, eu não sou um grande defensor de números, de 4-3-3 ou de 4-4-2, sou um defensor de dinâmicas em termos de jogo. Com certeza que algumas vezes vamos jogar com dois jogadores na frente de ataque, e outras somente com um, mas sempre utilizando um segundo elemento a fazer o elo de ligação entre o atacante e o meio campo. Em relação ao capitão, neste momento, como ainda estamos na primeira semana, temos que deixar ainda passar algum tempo para também eu conhecer melhor todos os jogadores da equipe. Bom, tout d'abord par rapport au système, je ne suis pas un grand défenseur des 4-3-3 ou 4-4-2. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les dynamiques de jeu. Donc parfois, il est possible qu'on travaille avec deux attaquants, parfois un seul, mais il y aura toujours, si c'est le cas, un deuxième élément qui fera le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Sinon, par rapport au capitaine, il me semble que c'est un petit peu trop tôt pour choisir quelqu'un. Il y a une semaine de travail qui est passée, et donc il me faut du temps encore pour choisir cela. Question encore à M. Vassiliev, une nouvelle fois sur Falcao. Est-ce que vous comptez sur lui vraiment la saison prochaine ? Est-ce qu'il est intransférable ? Car lui aurait émis le souhait peut-être de quitter le club. J'ai déjà, je crois, répondu à cette question. Il n'a pas évolué ce sujet-là. On n'a pas évolué, on compte sur lui. Et vraiment, on croit qu'il va faire une très belle saison 14-15. Merci, mesdames, messieurs. Juste une petite chose, nous allons faire une photo devant les sponsors de M. Vassiliev et de M. Jardim. Alors, on n'en a pas fini, on a notre ami Denis Matin qui va poser une question. Jardim, la question vache. Non, est-ce que c'est difficile de succéder à Claudio Ranieri à Monaco ? Eu não coloco estar a substituir aqui o Ranieri, com muito respeito que tenho por ele, para mim é igual que estar a substituir outro qualquer treinador, porque quando entro num clube, o meu principal objetivo é verificar aquilo que eu acho positivo e dar continuidade a esse trabalho, e aquilo que eu pretendo alterar, dar o meu cunho pessoal.
Por isso, a minha estratégia é semelhante, independentemente de quem tenha sido o treinador anterior. Bon, je ne considère pas vraiment que je remplace Monsieur Ranieri. Bon, tout d'abord, je le respecte énormément, mais mon objectif est, pour tout club, pour chaque fois que je suis dans un club, c'est de voir ce qui a été fait de positif et garder cela et continuer avec ce qui a été fait précédemment. Et ensuite, ce que je souhaite changer, je mets ma touche personnelle. Et M. Ranieri a fait un très bon travail. Et je ne pense pas que je peux dire que je remplace M. Ranieri. Voilà, nous allons passer à la photo. Vous aurez le truc ici là. Avec le palais, non, là, regarde, avec le casino, on est trop loin sinon, on les met là. Nous on se met là, regarde. Bon, il y a deux ici. Et deux ici, voilà. Ici, juste ici, non. Efferent.